Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve sur Pinball FX. Vous savez que j'aime bien faire des sessions de jeu de temps en temps sur Pinball FX. J'adore le flipper, ça c'est un truc, c'est un de mes amours de jeunesse, ça, le flipper, avec les bornes bien sûr des salles d'arcade. Je fais une grosse partie sur Explosion Man l'autre jour, avec un petit 196 millions là qui m'a. Ah vache, je crois que dans la même partie, dans la même partie cette fois-là, j'ai, je crois que j'ai battu. Alors, ouais. Dans la même partie, j'ai battu, je crois, il me semble, Arnaud, Polaire, Re-Arnaud et Z-Knight, je crois, dans la seule et même partie. Je n'arrivais plus à m'arrêter de jouer, c'était incroyable. Une super partie, vraiment. Je signale également la sortie pour les amateurs de Star Wars. Alors, où est-ce qu'il est, je ne sais pas. Non, Boba Fett, non. Ah oui, c'est là, nouveau. Star Wars, avec la sortie du film, tout simplement. The Force Awakens, le réveil de la Force. Je crois que c'est un combo, donc il doit y avoir deux tables, je pense. Voilà, il y a The Force Awakens et Might of the First Order. Voilà, un nouvel ordre né des cendres de l'Empire Galactique. Sympa. Maintenant, moi, ça me fait beaucoup de tables Star Wars. Hein. J'attends un petit peu de la part de Zen Studio. Qu'il fasse un petit peu autre chose maintenant que du voilà que du Marvel et du Star Wars, parce que j'en ai un peu ras-le-bol moi de ces deux licences, hein. Ça me prend un peu la tête. C'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur, on l'a dit, hein, on essaierait d'améliorer petit à petit nos scores sur Portal. Alors on va faire une tentative, une ou deux tentatives ce soir. On va voir ce que ça donne. Voilà. Il est pas facile. Hein, j'ai oublié de regarder les scores. Il y a moyen de les voir d'ici ou pas. Ouais, classement en bas. Hop. Classement. Où est-ce qu'on en est sur celui-là? Oh là là, je suis loin, je suis cinquième. Vous voyez que les scores sont. Alors, à part Grovesout qui m'a complètement halluciné avec son 534 millions sur ce. Sur cette table, c'est vraiment impressionnant quand on sait que Z-Knight, parmi mes contacts, est un des meilleurs joueurs de Pinball FX. Z-Knight est souvent tout en haut des classements, hein. Il trust souvent le haut des classements. Et là, franchement, je suis scotché, 534 millions. Mais comment on peut faire 534 millions à Portal? Je ne sais pas, parce que c'est pas un jeu qui score énormément, hein. Vous voyez, Explosion Man, j'ai fait quoi? J'ai fait 2-3 parties, je suis monté à presque 200 millions. Là, celui-là, je suis à 64 millions. On ne marque pas des scores de fou dans ce jeu-là. À l'exception de Grovesout, qui a fait un. Putain, qui a fait un score, mais hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc, je ne pense pas pouvoir aller jusque-là, mais bon. On va bien voir. Alors, on va déjà essayer. Je suis sur quelle vue là? Ouais, je suis sur la vue 7. Allez, hop. Un petit. Ah, j'ai failli avoir le. Ah. C'est pas grave. Allez, on va calmer le jeu un petit peu là. Merci. Oh, bah alors. Oulala, bah dis donc, ça commence bien. Heureusement, la bille est sauvée. Et j'ai quand même eu mes 500 000 points de. De Bonnie au début pour tir précis. Alors on a d'emblée les missions qui sont disponibles là-haut. Donc on va peut-être aller les chercher. Si j'arrive à récupérer le. Voilà, parce que dis donc. Non, raté. Ah, c'est pas possible. Je tire à côté. Ça ne va pas du tout. Le flipper est un jeu de précision. De chance aussi un petit peu, on va pas se mentir. Il y a des fois où ça veut vraiment pas. Ouf, il a failli pas y aller celui-là.
Il me fait un peu de résistance là depuis le début de la partie là. Et il veut pas aller là où je veux, ça m'énerve. Allez. Non. On recommence. Ah bah dites-moi. Tiens, on va faire la salle de test 6. Portal. J'ai refait entièrement le premier portal il y a pas longtemps. Et je me suis attelé au deuxième. Oh là là, quelle merveille ce jeu. Alors là, Valve a vraiment pondu un concept quand même qui est incroyable avec ce jeu. Alors, faudrait que je passe par une des rampes. Voilà, 1 million. Allez, c'est pas fini, il y a une autre rampe à prendre, celle-ci. Voilà. Ok, donc là pour l'instant, on a une petite période de flou s'il faut aller au milieu. Gratter. Qu'est-ce que ça m'énerve quand je suis pas précis. Ah, je supporte pas. Voilà, 2 millions. On enchaîne. Voilà. Alors, où est-ce qu'il faut aller maintenant? On peut aller là, là. Mon Dieu, voilà, 2 millions. Alors, elle passe sur le côté, là. Vas-y, Miss. Déplace-toi. Des bouteilles de lait à récupérer, là. Ah non, pas ça. Ah, ça manquait de punch. Ah, fait chier, c'était la bonne rampe en plus. Et oui, alors, je trouve le moyen d'y passer. Ah, il y a sur le côté aussi. Voilà, c'est bon, on y va. On enchaîne, 2 millions, parfait. Alors, on doit plus être très très loin de valider la quête. On va essayer de retourner dans la pièce. Non, pas comme ça. Pas comme ça non plus. C'est pas vrai. Voilà, 2 millions. Voilà. La sixième mission a donc été accomplie. C'est cool. Une de moins. Ok. Ça, ça marque toujours. Ça fait toujours avancer le Spielbeak. Raté. Ah. Sois précis. Il y en a un d'entre vous qui m'a fait rire dans un de ses commentaires suite à la première vidéo que j'ai faite sur Portal. On a essayé de faire un peu des choses intéressantes avec Portal. Il disait, quoi? Mais c'est pas un jeu de bourrin alors le... le flipper. Ah, il y a un lock là-bas, j'aimerais bien l'avoir. Non, il va pas clignoter comme ça pendant 300 ans. Allez, on s'applique? Non. Eh bien non, ce n'est pas un jeu de bourrin. Le flipper. C'est un jeu de précision. Voilà, c'est bon. 1 million. J'ai fait venir Atlas. Écrivez Pebbly. Donc, on va essayer de faire venir son petit pote. Si on y arrive, bien sûr. Ah, vache. Utilisez l'ascenseur pour déclencher une mission. On va essayer. Non. Allez. Voilà. Donc la 6, elle est faite. Donc elle est plus dans le menu. On va prendre la 4. Ok, tourelle. Appuyez sur le bouton. Alors, il y a des tourelles qui sont placées là, comme dans le jeu, hein. Essayer de les faire tomber. Ah, c'est un multiball par contre, j'avais pas vu ça. Je me souvenais plus que la mission 4 elle était en multiball. Peut-être que je sois un peu plus au courant de ce qui se passe. Alors, il y en a une qui a été bloquée là-bas, de billes. Ah non, terminé. Ah, et je manque de la perdre en plus. Stop, 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 stop. On calme le jeu un petit peu là. Raté. Non, pas ça.
Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Non, pas ça. C'est pas comme ça qu'on va scorer. 625 000, celle-là, je l'ai... Oh, ça me refait la même. Enfin, j'ai eu le 625 000 quand même, mais c'est agaçant. Allumer les couloirs. Faut les allumer tous X fois là. Ça va être chaud. Hein. En tout cas, ça fait des millions. Ça, c'est plutôt bien. Ah, putain, la vache, c'est. Les billes ont un comportement complètement erratique. Ouais, c'est terrible. Ça part dans tous les sens. Hop là. Bon, ouais, c'est tout. Du calme. Calmons le jeu un petit peu. On va essayer d'allumer le Peabody là-bas. Hop, encore un. On va essayer d'en faire un autre. Voilà. Alors, bloquer la bille. Je sais plus où il faut la bloquer. C'est dans Factory. Merde, je sais plus. Ah non, faut la bloquer là-bas. Dans le lock, le trou qui est là-bas. Il m'arrive d'oublier ces choses-là. Bon, bah là, j'ai eu de la chance. Hein. Donc, Peabody est arrivé. Voilà, les deux potes se sont retrouvés. Toucher les couloirs clignotants pour des jackpots. Donc on relance un multi-ball. Petit 2 millions là-bas. Ça c'est pas cool. Ah, il m'en envoie une. C'est bien. Nouveau meilleur score proche, me dit-il. C'est pas mal. S'améliorer petit à petit, hein, c'est le but du jeu, de toute façon. Réussir des missions... En fait, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est une question de feeling. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit par véritablement avoir le flipper entre les mains. On va essayer de faire une mission. On finit par avoir le flipper entre les mains. Et c'est là que ça devient sympa, quoi. C'est-à-dire, c'est quand on commence à savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et c'est vraiment un feeling, quoi. C'est-à-dire que vous avez au bout du doigt le coup qui permet d'atteindre l'ascenseur pour les missions, etc., etc. La rampe qui est à gauche, là, vous la ratez plus. Voilà, ce genre de choses, quoi. C'est vrai que c'est super cool quand ça fait ça. Et du coup, quand c'est comme ça, une table de flipper commence à prendre au bout d'un moment une toute autre dimension en fait. Et ouais, ça devient. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on cherche à obtenir. Et ça, c'est vraiment cool. Donc là, on va jouer avec les lasers. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ça y est, bah, faut suivre les rampes. Alors, celle-ci, voilà. Ça fait un million. Alors, il y a celle qui est là. Non, raté. Ah non, fais pas le con. Bon. Elle clignote. Je la rate. Oh non. Quand ça fait ça, ça me tue. J'ai pas bien repéré encore le. Comment on fait pour débloquer les protections sur les côtés. Ça, c'est très 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 important. C'est ce qui vous garantit de pas vous prendre certains game over stupides. Je fais des conneries, ça m'énerve. Si on pouvait battre le score de Arnaud, ça serait sympa. Mais ça va pas être si évident que ça. Je tienne le coup. Et surtout que j'essaye de ne pas. Faut pas s'emballer au flipper, faut s'appliquer. Voilà.
Une bille qui a été bloquée là-haut. Voilà tout. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, une mission? Ouais, on va prendre la 2, tiens. Elle est pas facile avec les lasers là, mais ça peut être sympa. Ouais, j'ai déjà réussi à la faire celle-ci, bon. C'est pas ce qu'il y a de plus évident, hein. Je ne cache pas. Faut trouver les bons couloirs, mais en même temps, on a un peu l'œil fixé en bas parce que la bille est tellement rapide. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le bon couloir. On va essayer d'éliminer les autres. Voilà, nickel. C'est ceux du milieu maintenant. Ah. Ceux du milieu, on a dit. Non. Non plus. Ah, ça m'énerve. Ah, ils sont pas facilement accessibles. Saloperie. Arnaud, je t'ai battu. Mais je sais pas si c'est sur la session hebdomadaire ou si c'est le score de tous les temps. Je ne sais pas. Voilà, on a une. Et encore une, oh putain. Ah, c'est terrible, le comportement de la bille est terrible. Ah, j'essaye, mais je peux pas y aller. Ça serait limite peut-être plus facile depuis l'autre flipper. Enfin, ouais, c'est bon. Là, il est passé. Faut que j'emmène au centre maintenant. Allez, milieu. Voilà. Donc, on a pété un des lasers. Pété le deuxième maintenant. Pas facile, hein, je peux vous le dire. Donc, faut tout refaire. C'est ça la bonne nouvelle. 1 million. Ils m'ont rendu ou pas? Non, ah la vache, ils m'en rendent pas. Bande de salauds. 18 millions pour Bat Polaire. Hein, on n'est pas rendu. Hein. On n'est pas rendu. J'aime pas les tirs inaboutis comme ça. Faudrait vraiment que je me renseigne sur cette table. Comment on active les protections sur le côté. Là, elles sont activées, par exemple, vous voyez. Donc, on voit la flèche blanche, la flèche noire dans un carré blanc. Donc ça me protège. Mais bon, si j'y retourne, je sais pas si je dois tout faire, tout refaire. Non, il y a un laser qui est détruit. Ça, c'est intéressant, quand même. Ouais. Donc, j'ai bien fait de retourner là. 1 million. 1 million. Il faut viser les autres. 100 000, donc c'est pas par là. Ouais, ah, il me redonne une bille. Oula, on va en profiter. Alors maintenant, c'est celui qui est sur le côté. Non. J'y arriverai pas avec ce flip là. On va essayer de passer de l'autre côté. Voilà, ça c'est bon ça. Le milieu, allez, le milieu. Yes! Deuxième laser est bousillé. Alors maintenant, bah, je sais pas trop ce qu'on attend de moi. Merde! Ah, j'étais pas loin. Faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne parce qu'à mon avis, les deux lasers sont foutus. J'aime bien aussi le fait, l'idée d'une mission comme ça, qu'on n'est pas forcément obligé de reprendre depuis zéro. Je vais essayer d'y retourner tout de suite. Raté. Allez, viens par là, viens par là. Hop, voilà. On y retourne, mission 2. Alors, où est-ce qu'on en est? Les deux lasers sont down. Donc j'ai quand même une chance de recommencer. Alors, j'ai fait deux couloirs. C'était... Voilà, ça y est, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé le code. La bonne combinaison. Non, pas comme ça. Il m'en redonne une. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Pas celui-là qu'on me dit. Ah, pas celui-là. Ah, putain, la vache. C'est celui qui est complètement... Voilà. Sur le côté. Ah, maintenant, faut que je retrouve le bon. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Allez, à gauche, toutes. Ah, il a failli y aller. Ah,
Raté. Voilà. Au milieu maintenant. Voilà. La mission 2 est accomplie. Parfait. Du coup, j'ai battu le corps de polaire. On va s'attaquer à celui de Z-Knight maintenant. Eh, il est dans 2 300 000. C'est même pas très très loin. Mais c'est ma dernière bille. Donc, j'y crois très très moyennement. Pour le coup. Alors, il y aurait un lock qui serait assez intéressant là. Allez. Hop, raté. Au secours. Ouais, bah je l'ai eu quand même. 1 million, c'est de la chance. Du coup, je bats Z-Knight que dans 1 million. Allez. Ah non, pas comme ça. Oh non, 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 non. Bah du coup, je vais pas battre Z-Knight. Ah si. Les bonus. 3 500 000 de bonus. Bon. Le super score de Paul R. En revanche. On en est loin. Ok. Alors, on remet un petit peu des scores en place. 103 millions. On passe juste devant Z-Knight. Bon, bah, j'ai grillé Arnaud, Polaire et Z-Knight sur la même partie. C'est pas trop mal. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Bon, je vais arrêter là cette session. C'est juste une petite session. Hein. J'en fais comme ça une de temps en temps. Je trouve ça super agréable. J'adore. Portal. Bon. Le 534 millions. Faut aller le chercher quand même celui-là. Ouais. Super score. Moi, je suis vraiment très très bas. Faudrait que je prenne plus le temps d'y jouer. Sorcier du flipper. Panthéon légendaire. Ok, bon, eh bien écoutez, voilà, c'était une petite session sur Portal Pinball. Voilà, j'en referai une dans quelques temps, on va essayer de s'améliorer. Là, j'avais rempli 2 missions sur les 6. C'est pas mal, hein, déjà, hein, 2 missions sur les 6. Il faut que je continue comme ça, à m'entraîner, et puis... quand on fait les 6, bah, on affronte évidemment on affronte l'unité centrale quoi. Hein, ça je l'ai pas fait encore évidemment. Ça sera à découvrir, à mon avis ça doit pas être facile, mais voilà. C'était Trigan pour une petite session de flipper. Je vous dis à bientôt. Ciao.